m'appelle Renée, j'ai 54 ans. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette. Bonjour mademoiselle. Je correspond parfaitement à l'archétype de la concierge d'immeuble. Je m'appelle Paloma, j'ai 11 ans. Depuis très longtemps, je sais que la destination finale... Ah Paloma, mais pourquoi est-ce que tu te caches comme ça? C'est le bocal à poisson. Mais ce qui est certain, c'est que dans le bocal, j'irai pas. Je vous présente Monsieur Kakurochou, notre nouveau propriétaire. Bonjour. Vu qu'on essaie bien la famille Artrans. Oui, une famille heureuse. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Vous aussi, vous pensez qu'elle n'est pas ce qu'on croit? Madame Michel, elle me fait penser à un petit hérisson. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Je suis démasquée. À l'extérieur, elle est bardée de piquants. Tu veux boire un chocolat? Mais moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, elle est aussi raffinée que ces petites bêtes farouchement solitaires et terriblement élégantes. Vous avez trouvé la bonne cachette. Je suis venue vous prier de dîner avec moi demain soir. Mais je suis la concierge. Mais enfin, vous vous habillez pour aller dîner chez les autres. Mais je vais jamais dîner chez les autres. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas une bonne chose. On peut savoir à quoi vous jouez? Je joue à rien du tout. Je crains d'être un peu... sauvage. Plus tard, je serai concierge. C'est une très bonne idée, ma chérie. Et si nous pouvons faire quoi que ce soit pour t'accompagner dans cette démarche, tu sais que nous sommes là pour t'aider, n'est-ce pas, ma chérie? Tout à fait.